Un peu en retard sur le groupe, mais je crois qu'il fait un truc de ses parents. Ouais, de toute façon, lui est tout en retard. Vous savez quoi, on a qu'à s'installer, profiter. En plus, j'ai un truc à vous raconter. Par contre, moi je me mets là. Ok, ça va. Allez, ça va. Tu peux aller chercher un bord, s'il te plaît? Vas-y. Merci. Merci. Ça se bouscule ici. Ouais, bah, faites attention. Salut. Tant sorti que ça pour l'instant. Ah, tiens. Ah, merci. Oh, pas mal, la ça. Déco. Merci. T'as vu, c'est bien glauque et tout. C'est une vraie Halloween. Oui, c'est une vraie. Ok, très bien. Bah, écoute. Bon, j'espère juste que tu vas pas nous proposer un petit jeu chiant juste pour mettre de l'ambiance, quoi. Ouais, ou alors encore un de ces tours de magie tout pourri. Ok. Bah, premièrement, chut. Et non. Si on est là aujourd'hui, c'est bien pour une chose. Halloween. Et qu'est-ce qu'on fait à Halloween? On raconte des histoires d'horreur. Ah bah j'espère bien. Oui. Je vais pas vous montrer le dernier film qui vient juste de sortir et qui est tiré par les cheveux. Je vais pas non plus vous raconter un thread que tout le monde peut trouver sur YouTube. Excusez. Non. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que seul Lucas et moi connaissons. D'ailleurs, c'est même lui qui me la raconte. Bah c'est sympa, on va s'amuser. Fort bien. Cette histoire se contextualise il y a 5 ans auparavant. Non loin d'ici, dans un village, Varette, il y a un abattoir abandonné. Un groupe de 5 potes décida le soir d'Halloween d'aller le visiter. Ok, c'est bon, tout est prêt, on peut commencer à filmer, messieurs. Ok, ça marche. Bah, vu qu'on connaît pas trop l'endroit, je propose qu'on visite le rez-de-chaussée, ça vous va? Moi, c'est une bonne idée, mais moi, je pense qu'on devrait se séparer. Ouais. Comme ça, moi, j'arrive. Ouais. Ouais, mais on peut aussi prendre Maxence, si c'était pas son idée, et puis on se laissait tout seul. Attendez, du coup, moi, dans l'histoire, je dois rester avec lui. Bonjour à tous, ici Clément Rivoli pour le blog de Clément. Alors il y a quelques instants, j'étais accompagné d'un drôle de spécimen qui s'est tout juste enfui en courant. Et nous avons commencé notre expédition dans l'abattoir de Varède, et ça c'est le plus important. Alors, bon, notre abruti est parti, c'est pas très grave, mais tout ça pour dire que nous sommes actuellement dans le bureau de l'abattoir.
Ça doit être ici que le propriétaire des lieux devait gérer ses petites affaires en compagnie de ses secrétaires. On voit ici qu'il y a une plante fanée. Ouais, ce qui se correspond à un lieu abandonné, vous allez me dire. Des papiers tout vieux et tout cramés. Là, on a des bougies et des photos. Sarah, en fait, t'es un peu inscrit ce que t'as fait tout à l'heure, non? T'es choquée? Excuse-moi. Choquée, non, mais je veux dire, tu vois, je m'attendais pas trop, surtout devant tout le monde, en fait. Mm-hmm. Non, mais c'est pas ce que je veux dire. En fait, c'est bien les moments qu'on passe ensemble, tu vois, mais devant tout le monde, je sais pas, je trouve que ça se fait pas trop. Excuse-moi, chaton. C'est pas qu'on n'arrive pas à le comprendre, c'est que tu n'es pas drôle et en plus tu es lourd. Ça, je suis lourd, comme toi, toi. Arrête, je pense qu'il a raison, t'es un petit peu lourd. Ah d'accord, c'est plus quand même. Si vous êtes tous comme ça, d'accord, ok. Allez tous vous faire foutre, moi j'ai même pas besoin de vous. Moi je pensais qu'en dans les soirs, on allait tous passer du bon moment entre potes, mais que moi je vois comment vous réagissez les gars, moi je vais voir. Putain, arrête, arrête de faire le con, reviens. C'est quoi les sous, c'est pas grave, parce que moi aussi je vais monter. J'ai pas fini mon reportage et je pense que j'ai tout vu ici. Ok, ça marche. Moi je vais aller là-bas, je le capte, je vais faire mon live. Vas-y. Tu fais quoi, t'as Maxence, je sais pas. Tu me restes un petit peu de ça, s'il te plaît. Peu importe, quand je rentre à l'heure. Ok, bon, je pense que je vais monter aussi. Tu veux pas jeter un petit coup d'œil sur Martin pendant toute ta vidéo? Pourquoi moi? Parce que caché, il est un petit peu con quand même. Eh, hey, mais je t'ai entendu, espèce d'enfoiré. T'es pas censé être tout seul, toi? En fait, si. Bon, vas-y, vas-y, on y va, ça commence à me saouler, il va me tuer ce mec. S'il y en a dans le corps d'eau qui vont commencer à se plaindre. Très drôle tout ça. Ouais les gars, je vais aller voir s'il n'y a pas un accessoire là-bas, ok? A tout à l'heure. Ouais, c'est ça, je vais faire. Regardez ce que je viens juste de trouver. Ce qui s'apparente à être le registre de l'abattoir. On voit que dans ce petit livret, on a sur plusieurs plages des noms qui sont inscrits avec côté d'une date. Pourquoi il y a ton nom pour une si petite entreprise? Mais gros, guette les singes! Est-ce que tu peux arrêter de m'interrompre tout le temps? J'en ai marre à chaque fois! Tu te lances tout le temps. T'avais vu ça au moins? Oui, t'as cru que j'étais con ou quoi? Non, ok, tu mens, tu l'avais pas vu. Bah, attends. Oh. Yes. Regarde, moi je vais te montrer. Vas-y. Regarde sur quoi je suis tombé.
un tableau qui correspond à un obo. Un obo, c'est quoi? C'est un planning qu'on utilise souvent au travail. Et on voit ici qu'on a une colonne correspondant à la présence avec un nom qui est caviardé. J'avoue, c'est bizarre. Mais par contre, ici, c'est le plus important. On a 9 noms et ces 9 premiers noms correspondent aux 9 premiers noms du registre. Et là, c'est intéressant. Par contre, ça répond toujours pas à ma question de pourquoi il y a autant de noms sur le livre, en fait. Réfléchis, mec, c'est archi simple. Mais comment ça, c'est simple? Allez, donne-moi ça, tu verras que je suis pas si con que ça. À mon avis, les noms qui sont inscrits ici, c'est des gens qui sont venus et qui ont laissé une trace de leur passage. Là, t'as la date et là, t'as les blazes. C'est un historique, en fait. Ah. Comme tu veux dire, une sorte de petit rituel où les gens laissent leur trace. Ouais, si tu veux. Rituel. Okay. Ouais, c'est logique, ça a du sens. Bah, franchement, je retire ce que j'ai dit. Tu peux être parfois. Ah, bah, je peux pas te dire. Eh, ça va? Ah oui, toi? Ça va, ça va. T'as commencé ton live? Mais non, ça fait 5 minutes qu'il capte plus, j'ai plus de réseau. Ok, mais ça va aller de toute façon, je pense. Ouais. Est-ce que tu parles? Bah, Sarah, elle est juste là. Ok, parce que moi je l'ai perdu depuis qu'on s'est séparés. Ah merde. Bah, t'as juste à faire le tour, normalement elle est encore à l'entrée. Ok, bah j'y vais. C'est intéressant. Ouais. Tu vois que tu l'apprécies au final? Non, je l'aime pas. Tu veux venir peut-être jeter un coup d'œil? C'est bah vas-y, les dames d'abord. Okay. Regarde ce que j'ai trouvé quand tu es porté sur toi tout à l'heure. Ça, c'était sur la table. Ouais, et c'est un registre de l'abattoir. Ouais, effectivement, il y en a beaucoup quand même. Les gars, ouais. Comment ça, je t'ai dit comment l'argent, tu l'as pas fait? Ouais, non, mais j'ai fait tout. Regarde, mais c'est pas drôle, mec. Il est peut-être arrivé un truc à ça. Et d'ailleurs, comment vous êtes parlé? Bah, sur le toit, en fait, il y a plein de trous. En plus, elle m'a dit qu'elle captait pas, donc. Oui, mais elle doit être partie sur, je pense, l'extérieur pour avoir du réseau. Je pense que. De toute façon, moi, je m'en vois rien. Mais je sais, mais fais un effort quand même. C'est Sarah. Bon, oui, bon. C'est pas le problème là tout de suite. Écoute, Maxence, on va redescendre. Tu en restes un peu avec lui histoire qu'il fasse pas trop vite. Encore? Mais. Vas-y, je vais aller voir par là-bas si elle est pas. Vas-y, tu peux, mais tu trouveras rien. C'est jamais, hein. Je t'attends là, je suis une clope. Vas-y. C'est quoi? Arrête! C'est quoi? Tu me saoules! Reste ici là, attends les autres, fais le guet! Vas-y, fais le guet, tu veux te battre? Attends, si, moi je compte sur toi. Thank you.
Bon, la dernière fois que j'étais interrompu par ce gros débile, j'étais en train de regarder un code sur le sol et je pense qu'il n'y avait vraiment rien d'intéressant. Donc du coup, j'ai décidé de monter sur le toit. Ici, à part la magnifique vue qu'on peut avoir, il n'y a aussi rien d'intéressant. Je pense réellement que j'ai loupé quelque chose. Il va falloir que je regarde mes rushs pour analyser tout ça. Donc je vais vous laisser quelques instants. Vous inquiétez pas, je vous reprends pour la fin de cette expédition. À tout à l'heure. Je te jure que si c'est encore une de tes blagues, je vais commencer à m'énerver, tu me saoules. Je sais pas ce qu'on va faire de toi avec le groupe, on en a vraiment marre. Tu fais des blagues de merde, t'es un putain de gosse. Quand je te fais des réflexions tout le temps, tu m'écoutes jamais. Mais vous savez que vous m'attendiez, hein. Oui, on savait.